Denis de production. Y'a que les flocomans qui ont peur. Sinon, tu m'enchaînes. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de votre fidélité à cette émission Phare à Phare, nouvelle tendance. Vilpion Kenzo, Rudel Goma, Gertrude Goma Mbayi, Evrad Mungondo, voilà, Henri Mavambou, Hugues Vogel de Cibel, l'équipe costaud qui va vous apporter l'essentiel de l'actualité en temps réel sur DRTV International et Phare à Phare, nouvelle tendance. La grande messe est là. Je sais que vous êtes nombreux devant vos écrans pour nous recevoir et puis nous attendre, parce que on avait annoncé sur les réseaux sociaux que nous aurons le plaisir de recevoir dans cette émission l'homme, le manager international, Olivier Doumou, dans la place. Bonne arrivée. Merci, Vogel. Merci aussi à tous les téléspectateurs qui nous regardent dans ce net moment de partout dans le monde, là où ils sont. On va parler des 20 ans de carrière de Singila, l'enfant du pays. Mais tout à l'heure, mesdames et messieurs, je vais vous donner quelques informations, puisqu'il y en a dans les officines musicales, justement, tout à l'heure, de l'autre côté de la détente. Le grand-père Bouziana va donc donner un grand concert aujourd'hui à la détente pour les nostalgiques du temps. Voilà, donc vous pouvez aller vous abreuver à la source des noms des chansons qui ont marqué le temps, comme Sissina, La Reine des Saba et autres. Inauguration hier du nouveau siège de répétition d'Extra Musica Nouvel Horizon. Alors, affaire Wallo, en tout cas, nous en parlerons. On reviendra sur cet élément la semaine prochaine, mesdames et messieurs, concernant la chanson Ruby. Ligne rouge de Kevin Boindé-Menga, très attendue. Voilà, les travaux de finition de cet opus se passent très bien. Alors, début du studio d'enregistrement de l'album du grand saoudien Martin Luther King et Espébas et la team Extra Musica du suprême Rouga Rouga. Et de l'autre côté de Pointe-Noire, un clin d'œil à K-Musica qui est en studio pour un projet très attendu. Pendant ce temps, Douliziana, le grand de Tito Ferbal, se profile pour donner de l'éclat justement à l'album Les Grands Travaux que vous trouverez sur les plateformes de téléchargement. Alors, voilà, donc déjà nous sommes en train d'écouter en fond sonore l'enfant du pays, voilà, Singila, l'enfant du pays, qui fête ses 20 ans de carrière musicale. Alors, pour marquer cet événement avec efficacité ici à Brazzaville, voilà, il y aura donc le premier concert, voilà, qui est prévu le 13 juillet au Palais des Congrès. Et on citera aussi d'autres, puisque c'est une série de concerts, notamment le double Olympia, on va en parler dans cette émission. Et puis à la salle de la Madeleine, c'est à Bruxelles. Alors, bonne arrivée Olivier Doumou, encore une fois de plus. Merci. Pourquoi Singila commence justement sa fête à Brazzaville? Comme tu as su le dire, hein, c'est d'abord il faut savoir que Singila, c'est vraiment l'enfant du pays. Mm-hmm. Et aujourd'hui, si on peut citer des artistes qui font la fierté à travers le monde, des artistes congolais, Singila fait partie de ces gens-là. Singila, à travers sa musique, il a su mettre partout dans le monde, il a su exhiber notre drapeau pour montrer que vraiment c'est un Congolais, aussi à travers ses textes. Donc il était bien normal qu'il puisse choisir son pays, le Congo. Là où il a vécu dans ce quartier de l'OCH, même s'il n'a pas vécu longtemps, mais là où il a vécu quand même, pour dire voilà, je commence ici, j'ai besoin de la bénédiction de mes ancêtres ici. J'ai besoin de la bénédiction des Congolais avant de démarrer ailleurs. Raison pour laquelle il a choisi la maison de Moussi en prod pour organiser en vérité ce gros événement qui sont ses 20 ans de carrière, qui n'est pas rien. Mm-hmm. Voilà, 20 ans, ce n'est pas deux jours. Très bien. Voilà. Tu l'as dit, 20 ans, ce n'est pas deux jours, 20 ans, c'est énorme. Mais pour la carrière de Singela, pour la carrure de Singela, est-ce qu'il fallait fêter les 20 ans? Ou il fallait attendre peut-être encore voilà. Non, ça se fête, c'est un chiffrant. Mm-hmm. Ça se fête parce que depuis qu'il a commencé sa carrière, il n'a jamais fêté l'anniversaire de sa carrière. Et là, c'était 20 ans. Je pense qu'il a voulu marquer pour faire savoir au monde entier que, bah, il existe, qu'il est là, il est toujours présent. Et c'est pour ça que Singela vient démarrer
son événement ici, son anniversaire de sa carrière ici au Congo-Brazzaville. Moi, je veux proposer à nos téléspectateurs un premier son, justement, ouais, pour que vous puissiez être avec nous dans cette émission. Voilà, si on parle le même langage avec nos amis de la régie, on regarde ce clip que je vais vous proposer et puis on se retrouve tout à l'heure. Mais n'oubliez pas, nous avons des partenaires qui nous accompagnent au quotidien parce que pour la réalisation de cette émission, il faut de l'équipe. Voilà, nous avons le Café du Chef à Brazzaville et Pointe-Noire, le Temple de l'Ambiance. En tout cas, allez-y, comme on a dit, ce sont des vacances. Allez-y vous abreuver, écoutez la très bonne musique et la musique congolaise. Je n'oublie pas également les établissements Kim Witcheravi, en tout cas, qui nous apporte du soutien, la conception des kakimonos et pourquoi pas nos fiches de présentation de l'émission. Et voilà, un clin d'œil à tous les inconditionnels de cette émission, hein, Christian, je dirais, Rémi Zoniaba, le grand frère personnel. Voilà, je n'oublie pas également le président Lili Makosso. On regarde le clip et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de cette émission. Bonjour monsieur, voilà l'enfant du pays, Singila, en tout cas de la nostalgie, de l'émotion dans ce texte très pur et exceptionnel. Un répertoire géant, il faut le dire, en tout cas, un répertoire riche, à la fois diversifié, plusieurs albums et Singila aujourd'hui a fait des tubes. Ah oui, il faut le dire, hein, Singila a fait des tubes et des tubes, il faut dire aussi qu'il est disque d'or, il est certifié. Et Singila a pratiquement fait le tour du monde. Il faut dire que Singila a une plume exceptionnelle. Aujourd'hui, quand vous écoutez les chansons de Singila, en tout cas pour les femmes, certaines se retrouvent et se disent « Mince, qu'est-ce qu'il dit ? C'est quoi ce... C'est quoi cet endroit ?» Les gens sont... Singila de quoi c'est un briseur de cœur. Voilà. Un lover, le docteur Love. Vraiment. Mais je pense que c'est très important dans ces textes parce que généralement, les gens chante souvent l'amour, mais lui, il a une façon de chanter l'amour à sa façon. Mm-hmm. Et ça, les filles en raffolent. Ok. Voilà. Alors, pour le 13, ouais, le 13, je sais que le répertoire, il est géant. Mm-hmm. C'est un répertoire où les fans vont se retrouver, j'en suis sûr. Ouais. Mais quelle est la grande surprise, justement, du concert du 13 juillet ici à Brazzaville, puisque c'est le commencement d'une série de concerts. Voilà. Déjà, il faut dire, Singila, à chaque fois qu'il est arrivé à Brazzaville, pour des concerts grand public, il a souvent joué en playback ou en live bande de son. Et là, déjà, la particularité, Singila sera en live, c'est-à-dire il y a tout un orchestre du pays, bien sûr, que j'ai sélectionné, qui vont l'accompagner. Ça sera vraiment du live. Et ensuite, on aura beaucoup de surprises. On aura beaucoup de surprises durant cet événement. OK ? Et puis, la maison de Moussion n'a pas fait les choses à moitié. On a prévu beaucoup au niveau de culé de sang. Il y aura vraiment du bon sang, du sang. Plus de, je dirais, allez, facilement 20 kilos de sang. C'est énorme. Et puis, tout un light, les lumières qui sont mises vraiment pour égayer le public. Okay. Donc, on a mis vraiment le paquet avec un podium exceptionnel. Il y aura même des feux d'artifice, il y aura des artistes en plus qui vont se produire. Et d'ailleurs, un gros gâteau qui va monter pour présenter, chanté par une artiste d'ici. Il y a beaucoup de surprises et il y aura beaucoup d'invités. Très bien. Voilà. On en parlera puisque nous avons beaucoup de temps de discuter justement autour de ce concert du 13 juillet avec l'enfant du pays, Singila. Mais on remarque qu'en 20 ans, c'est pratiquement le premier concert live. Oui. Que Singila va donner au Congo. Pourquoi alors qu'on l'a vu, en fait, un peu focaliser ses énergies dans d'autres pays d'Afrique. Ouais. Pourquoi attendu 20 ans pour jouer au fait, un concert à Brazzaville ? Non, c'est vrai, il faut le dire. C'est pas que il n'a jamais voulu. Vous savez, chacun doit faire sa part. Lui, il est artiste. Quand on l'invite, des promoteurs doivent lui proposer des concerts. Si on propose à Singila de venir chanter un concert, il viendra, il chantera en concert, live. Mais si les gens l'invitent pour lui demander de chanter en playback, c'est son boulot, il joue le jeu, il le fait. Et malheureusement, comme vous le savez, les moyens d'accompagnement pour organiser ces genres d'événements n'ont pas toujours, sont pas toujours au point parce que les artistes demandent aussi leur cachet énorme. Et puis les VHR ne sont pas faciles. Très souvent, les gens zappent et passent à autre chose.
J'ai voulu faire autrement. J'ai voulu dire que, voilà, c'est à nous d'honorer nos artistes. C'est à nous de faire en sorte que le monde entier puisse savoir que le Congo a un véritable talent, a un véritable légende d'artiste qui s'appelle Singila, qui fait notre fierté. C'est chez lui. Je n'ai pas voulu, en ce sens-là, faire en sorte de mettre Singila en playback. Ça sera l'insulter parce qu'il faut dire, parmi les artistes qui ont la voix, Singila fait partie vraiment de ces artistes que le Congo vraiment a la chance d'avoir Singila. Est-ce que vous avez la chance que ce concert-là soit... En fait, du moins, les chansons que nous avons l'habitude d'écouter puissent être interprétées fidèlement sur scène à travers le live qui... Oui, bien sûr, parce qu'il y a, en vérité, par rapport à l'organisation, il y a tout un orchestre qui répète depuis un mois déjà. D'accord. Et cet orchestre a déjà accompagné Singila ici, à travers un concert privé, que je tais le nom. Donc je pense qu'on va reproduire ça sur scène. Singila est professionnel. Moi, je suis souvent surpris, pour les gens qui ne connaissent pas Singila, qui pensent qu'il ne peut pas faire du live. Mais plusieurs fois, il était invité dans des concerts live. Je me rappelle le tout dernier concert de Charles Zipanda, je crois que c'était, je sais pas si c'était à l'Olympia ou au Casino de Paris. Dernièrement, il y a Dadju et Taï qui l'ont invité. C'était en live, donc je pense qu'il sait le faire. Okay. Mais il fallait de notre côté aussi mettre un peu beaucoup de volonté pour prendre sur nous, pour mettre notre artiste en valeur, lui faire chanter en live avec toute une orchestration qui sera là pour l'accompagner. Okay. Voilà. Voilà. Beaucoup se demandent, ils se posent la question, oui, Singila, méga star, artiste exceptionnel, fils du Congo, hein, fils du pays, hein, l'enfant du pays, comme on dit. L'enfant du mais pays. Comme si il ne s'occupe pas de son pays. Non. Il n'a rien fait pour le pays. Jusqu'aujourd'hui, en dehors de ses chansons qui sont écoutées, qui sont aimées par les fans, mais qu'est-ce que lui, il a déjà apporté pour le Congo? Justement, concernant même la nouvelle génération qui monte aujourd'hui. Ouais, mais il faut le dire. C'est vrai, souvent les gens ont tendance à oublier que nos artistes de la diaspora n'habitent pas ici. Faire des choses, ou prendre des initiatives organisées ou pour accompagner, cela nécessite vraiment des moyens d'accompagnement. Et vous le savez très bien, on ne va pas se le cacher. Vous savez que les pouvoirs publics ici, généralement, pour la culture, ils ont du mal. Ils ont du mal à accompagner. Moi, je me rappelle de mon frère Passy, qui à l'époque avait eu cette initiative de vouloir faire un studio d'enregistrement. Malheureusement, il n'avait pas abouti parce qu'il n'y avait pas de soutien. Singila a déjà contribué. Vous savez, dans ses textes, quand il chante en lingala, c'est une façon de valoriser notre langue à travers le monde. Et ensuite, souvenez-vous, en 2013, quand j'ai eu, avec la Génération Plus, à organiser Brassage et Croix, Singila n'a pas hésité un instant de prêter sa voix, de venir sur place pour soutenir ces personnes-là qui avaient subi l'accident du camp des miliciens de Pila, pour venir les aiguiller à travers sa voix, pour venir apporter Singila à participer dans ce projet qui s'appelle Brassage et Croix, vraiment bénévolement, je dirais. Il était parti à la rencontre de ses familles, il est parti à Kintélé avec nous. Je pense que ça, c'est des actes louables. Et aux deux, la dernière fois que Singila et sa maison de prod ont voulu mettre par sa demande le Congo en avant, ils m'ont donné cette charge de mettre les édifices du Congo en avant à travers le clip Aïe Mama. Il est venu, il aurait pu faire ça en France ou ailleurs, mais Singila s'est déplacé avec toute une équipe pour venir réaliser le clip Aïe Mama ici. Donc, quand vous voyez le clip, j'avais... bouquet au niveau de Wendy, la rue Babembe, la rue Mvouti, et ensuite on est allé à Potopoto, la rue Mbaka, on allait à Sainte-Anne, on allait au Djoué. C'est une façon pour lui de immortaliser son pays, de rendre un grand hommage à son pays qu'il aime tant, le Congo. Ça, c'est une façon aussi de contribuer, et c'est très important. Et bien souvent, il faut le dire aussi, que les gens ont tendance facilement à dire qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais et vous? Mais qu'est-ce que vous faites de votre pays? C'est ça la vraie question, en vérité aussi. Okay. Parce qu'un artiste reste ouvert. Je ne pense pas que si un artiste demande à Singila de faire un feat, qu'il va refuser. Il faut seulement avoir le contact et puis il va accepter. Alors, on va encore souffler, mesdames et messieurs, dans le répertoire géant de Singila. On va vous proposer un autre clip et on regarde, mesdames et messieurs, et on se retrouve. Régalez-vous, puisque l'enfant du pays arrive dans peu de temps, voilà. Dans moins d'une semaine. Voilà, il sera là. Voilà. On le regarde, Mégane. Ça vous arrache le morceau à la bouche, c'est magnifique.
Mr. Love, Singela, mesdames et messieurs, en tout cas, merci à Goma, Aimé, bienvenue, Guy Ondiba, NNB, le diplomate. Vous êtes en train de nous suivre, en tout cas, la page, c'est Dire TV International. Voilà, Facebook, likez, et puis continuez à nous envoyer vos SMS. Merci beaucoup à Cédric Okwere, Jodé Lekoudi, Christian Mokito Lindalala d'être là. Alors, c'était un autre texte. Ah oui. Limpide et en tout cas. Ma nature. Ma nature. Mr. Love, Singela, en tout cas. Ouais. On était en train de parler justement de cette implication de l'artiste au niveau même du pays et surtout au niveau de la nouvelle génération montante. Est-ce que lorsqu'on regarde Singela et on écoute la nouvelle génération d'aujourd'hui, est-ce que Singela influence les jeunes? Ah oui. Singela influence beaucoup, à travers le monde même, je dirais. Et c'est pour ça que je peux dire que les gens ne se rendent pas compte. Aujourd'hui, quand on prend des artistes qui sont au top niveau, des jeunes de la nouvelle génération qui sont au top niveau, comme Dadju, comme Taïk, ben eux jurent que sur le nom de Singela. Et ils ont une reconnaissance particulière vis-à-vis de Singela. Ils l'ont démontré lors de leur concert à l'Olympia, je crois. Ils ont invité Singela et ils l'ont dit devant tout le public. C'est une façon de dire que, ben voilà, nous, on suit tes pas, on te suit, ta façon de chanter, tes textes, ils le font bien. Pourquoi il n'a jamais fait un feat avec les Congolais de Brazzaville? Comme je dis, au fait, le feat, c'est pas qui. Parce que je vois pas beaucoup à qui ça, il fait. Non. Il fait beaucoup. C'est juste la demande. C'est juste la demande. Peut-être que les gens n'ont pas des bonnes connexions. En venant, moi, j'ai fait en sorte de demander à Singela de faire un feat avec mon artiste, que je salue. Il ne m'a pas dit non. Il va venir et il fera son feat. Je pense qu'il y a des jeunes, ça sera même l'occasion, parce qu'il a offert son plateau de scène à cette jeunesse qui voudra la visibilité. Cette jeunesse aujourd'hui de Brazzaville, qui arrive à drainer du monde, qui a leur plume aussi. Je peux citer Bizaes, Bioman, je peux citer Nestelia Forest, je peux citer, j'en oublie, plus de 13 personnes qui sont invitées avec l'accord de Singela pour que vraiment ils puissent profiter de sa présence pour avoir une visibilité à travers l'international. N'oubliez pas qu'on aura votre chaîne concurrente Canal+, qui viendra exprès pour filmer ce concert, pour reporter ça après sur des chaînes Canal+. Donc c'est vraiment une occasion que Singela donne à tout le monde. Il est très ouvert. Okay. C'est deux fois les gens manquent de connexion en fait. Voilà. Vous avez déjà abordé quelques éléments de l'organisation au début de cette émission. Et est-ce que aujourd'hui, comme nous l'avons dit, à quelques jours de cet événement, la communication passe réellement? Est-ce que la communication est à la hauteur de cet événement? Non, mais humblement, je dirais que la communication est vraiment à la hauteur. Je pense que pour les gens qui nous suivent, en tout cas ceux qui sont à Brazzaville, ils savent qu'aujourd'hui, de partout où on passe, on voit du Singela. Singela aujourd'hui, sur les panneaux, sur les banderoles, sur les affiches, les flyers, les gens. Ça fait un mois et demi qu'on est non-stop sur le terrain. Mais je pense que le plus important, ce n'est pas qu'il soit affiché. Le plus important pour nous, c'est que les amateurs de la bonne musique, le public de Brazzaville puisse avoir cette éclipse d'être, de venir, de se déplacer, de venir rendre un hommage, de venir honorer notre artiste. C'est ça ce qui sera le plus merveilleux. Vraiment de venir nombreux, parce que je pense que nos artistes souvent se disent il est congolais et quand il vient chez lui, les gens ne suivent pas. C'est l'occasion ou jamais qu'on doit être patriote, on doit venir encourager notre artiste. Les internautes sont en train de réagir à travers cette émission, Wilfried, Johan, Willy. En tout cas, félicitations à Olivier Doumou pour tout ce qu'il fait dans la culture congolaise. Merci. Surtout, il le fait sans bruit. Merci. Grâce à lui, j'ai pu avoir plusieurs stars en live. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Non, mais c'est vrai, moi je dis merci à Wilfried parce que les gens ne se rendent pas compte. Souvent, les gens ont tendance à nous voir, en tout cas à me voir, et de fois oublier les réalisations de la Doumotion à travers le pays, sa contribution directe. Mais la Doumotion, c'est Brazzagicroix, c'est Kassav, c'est Maître Gims, c'est les festivals créés, en tout cas le premier festival urbain créé pour les jeunes du Congo, qui sont à la 5e édition, c'est les Afroca Music Awards. C'est beaucoup d'artistes mis aussi en visibilité. Et ce qu'il dit,
c'est gentil de sa part. C'est grâce aux gens, personnes comme ça, que nous sommes encouragés à faire ce qu'on fait. Mais je regrette encore l'aspect de l'accompagnement qui n'est pas toujours au point, parce que j'ai toujours rêvé, en fait, en vérité, que mon pays, le Congo, ressemble un peu au Maroc. Parce que, vous savez, le Maroc a plus de 128 festivals à l'année. Il ressemble au Nigeria, il ressemble pas à la Côte d'Ivoire. Parce que le Congo, qui est terre de la musique africaine, mérite vraiment d'avoir ces genres de pointures. Mais ces genres de pointures, pour les avoir, les Singila ou les Econ ou autres, il faut de l'accompagnement. Moi, vraiment, j'attire l'attention des pouvoirs publics, notamment du ministère de l'Industrie et de la Culture, et les mécènes, de nous accompagner dans cette démarche noble pour mettre notre culture en visibilité. La culture, c'est le miroir d'un pays. Et quand Singila arrive comme ça, à chacun doit contribuer un peu de sa pierre à l'édifice pour faire en sorte que la fête puisse être belle et totale. Tu as parlé de Charlotte Dipanda avec Singila, c'était une invitation sur scène. C'était une invitation sur scène. Et je pense qu'on peut retrouver cet élément, mesdames et messieurs, pour le grand bonheur de téléspectateurs. On apprécie, on regarde encore ce mélange de voix sensationnel sur une scène qui a explosé ce jour-là. Parce qu'il y avait deux tendances, deux couleurs, mais qui fusionnaient sur une musique exceptionnelle. On regarde, mesdames et messieurs, et on se retrouve tout à l'heure. Oui, mesdames et messieurs, c'était donc la scène partagée avec Charlotte Dipanda et Singila. Est-ce que Charlotte sera là, Olivier Domo? On peut pas. C'est quand même les 20 ans de carrière de Singila. Il y aura beaucoup d'artistes qui sont invités. Mais le but aujourd'hui, ce n'est pas de dévoiler la surprise. D'accord. Il faudrait que les gens se déplacent pour venir voir les invités surprises qui seront sur place. Si c'est 20 ans, on a fait en sorte de faire vraiment fort. Je pense que le monde entier, ce jour-là, leur visa sera braqué vers le Congo Brazza. Mmh. Les gens attendent cet événement. N'oubliez pas, je le dis encore, la salle de l'Olympia que Singila a annoncé pour ses 20 ans de carrière là-bas, parce que la première date c'est ici, mais après il a l'Olympia. Dès que Singila a annoncé la première date de l'Olympia, en quelques heures, il a fait sold out. Il a été obligé, en vérité, de rajouter une deuxième date. La deuxième date a fait aussi sold out. Très bien. Voilà, donc je pense que le Congo n'a pas idée de l'artiste qu'on peut avoir comme Singila. C'est vraiment notre fierté. Si on voit bien, c'est d'ici ces 20 dernières années, les artistes qui ont pu exceller, qui ont pu vraiment s'exprimer à travers le monde entier, Singila fait partie vraiment de ces artistes-là que nous devons honorer, chérir et lui montrer tout l'amour que le pays a pour lui, parce qu'il fait vraiment la fierté du pays. Il y avait une histoire d'amour entre Singila et Charlotte. Ogel, ça c'est la vie privée. Non, mais réseaux sociaux, on en fait. Je pense que tu auras l'occasion d'avoir Singila sur place. Tu peux me croire, tu lui poseras la question, il te répondrait. Mais à ce que je sache, je pense que Charlotte est une femme mariée. Okay. Mais non, quand il va avec toi sur le plateau, n'hésite pas à lui demander cette question. D'accord, je le saurai répondre. C'est formidable. Alors, ça sera l'esplanade du Palais des Congrès. Ça sera l'esplanade. Okay. Ça sera l'esplanade du Palais des Congrès. Donc, les places sont... Les places, jusqu'aujourd'hui, les gens continuent donc à acheter les places, parce qu'on a démarré tard, en fait, stratégiquement, la vente des places. Donc, il y a encore quelques places. Mais je suis content parce que le public réagit très bien. Donc, il n'y a pas encore de sold out. Non. Je pense que le sold out, nous n'avons pas encore ce système de vente en ligne ou de vente pour dire qu'il peut avoir sold out. Okay. Sauf si les tickets que nous avons dans les mains qui ont fait du mai en mai, on dit qu'il n'y a plus de tickets. Mais le sold out, généralement, est réservé pour d'autres structures telles que la FNAC, qui ont la possibilité à travers leur système d'ordinateur pour voir que la salle elle est complète. D'accord. Mais je pense que Singila, je pense que le public va lui rendre un bel hommage ici. Ouais, comme guest sur la scène du Palais des Congrès avec Singila le 13 juillet, vous l'avez cité tout à l'heure, j'ai retenu quelques noms, en tout cas une longue liste, puisque vous avez parlé de 14 pratiquement. Oui, musiciens. 14. Bejewan, Emmanou, du Douste. Bizaïs, Karsi, Kratos, Tchikoulou, Nesela Forest, et peut-être d'autres que j'ai oubliés. Voilà. On a l'impression que ça va se transformer en un véritable festival. Non, vous savez, vous avez dit quelque chose de très important tout à l'heure.
qu'est-ce que ces artistes-là font pour les jeunes artistes du Congo? Bah, c'est ça. C'est tout ça. Parce que je vous cache pas, jusqu'aujourd'hui, le téléphone de la société de Moussan continue à sonner. Les gens veulent se produire. Les gens veulent faire la première partie. Les gens veulent être invités. Il y en a trop. Et très souvent, les artistes de renom comme Singula refusent qui est des premières parties. Parce que je me rappelle avec Gims, il n'a pas voulu. Il a dit non. Il ne voulait pas sa scène avec les enlevés de rideau ou bien les premières parties ou les invités. Il n'avait pas voulu. Et là, Singula a dit non, c'est chez moi. Je me dois aussi donner la chance à ce jeune-là d'avoir une visibilité. On ouvre les portes à 16h. Donc, 16h, 17h, ça démarre. Si chaque artiste a 10 minutes, ça va le faire. 18h, 19h au plus tard, Singula monte sur scène pour donner son live. Donc je pense que la fête sera belle et puis nous sommes professionnels en la matière. On en fait en sorte que ça ne soit pas un festival pour ne pas que les gens puissent s'ennuyer. Il y a beaucoup de surprises en tout cas qui vont se passer. Il y a beaucoup de surprises. Okay. Ouais. Est-ce qu'on peut dire qu'après, avec ce concert de Singula à Brazzaville, c'est aussi le grand retour des productions scénique de la maison Doumoussian Events? Non, bah, si on veut le dire comme ça, bah oui, moi je pense que la Doumoussian Events... Parce que ça fait quand même longtemps que tu as produit. Ça fait un an, ouais. Et c'est volontaire. Vous savez, quand on fait des choses sérieuses, il faut les faire sérieusement. Voilà, ce genre de production, on ne peut pas faire ça à la va-vite. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Je pense que quand on veut organiser des trucs à dimension live avec un artiste comme Singula, on ne peut pas se permettre de faire des lives, des organisations comme ça chaque 2 mois. C'est du boulot, sauf si on ne connaît pas. On a pris le temps avant de faire ce live-là. Mais entre deux, la Doumoussian a bossé au niveau de l'Occident, au niveau de Paris. On a accompagné Mewé dans ses 35 ans de carrière, qui s'est bien déroulé à Abidjan. Sold out, comme tu dis, et Mewé, vous connaissez l'icône. Okay. On a accompagné Marie-José Gibbon, que la Doumoussian a produit phoniquement. Aujourd'hui, au niveau des Caraïbes, au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est un titre qui marche bien de compas. Marie-José Gibbon, qui est chanteuse de Kassav avec une artiste qui s'appelle Mike. À l'occasion, je t'enverrai le clip, tu verras. Donc, on fait des travaux aussi. Même si on ne fait pas 2 fois ici, en année, on part faire sur d'autres cieux. Mais pour Singular, on voulait prendre le temps pour vraiment faire en sorte d'organiser très, très bien cet événement-là. Parce que c'est sa toute première date. Raison pour laquelle, moi, je demande vraiment aux mécènes, je demande vraiment aux enseignes, au ministère, au pouvoir public, de mouiller la chemise vraiment pour qu'on puisse honorer nos artistes. On ne doit pas attendre une fois qu'ils ne sont plus là pour dire que « Ah oui, c'est un Congolais !» C'est tellement facile. C'est l'occasion jamais que j'offre à tout le monde. Je suis ouvert. Voilà. Très bien. On va encore souffler, mesdames et messieurs, dans ce répertoire magnifique de Singula. Un titre Aïmama. Oh, qui a été réalisé ici. Ici. Comme j'ai dit, hein, voilà. C'était sa contribution. Okay. Il avait voulu vraiment mettre le Congo, Brazza, okay, surtout Brazzaville, en lumière. Très bien. Aïmama. Est-ce les sapeurs seront au rendez-vous de cet événement? Les sapeurs seront au rendez-vous. Ils seront d'ailleurs, il faut le dire, Singula arrive le 10. Ils vont l'accueillir à l'aéroport. En tout cas, tout son public, j'invite les fans à se déplacer le 10, dès 19h, 18h, 19h à l'aéroport de Brazzaville pour accueillir l'enfant du pays. Les sapeurs seront là. Ils seront là vraiment en masse parce que Aïmama, c'était le souhait de Singula, m'avait demandé, mon grand, trouve-moi des sapeurs parce que je veux que ces sapeurs-là, ces artistes-là, qu'on puisse les mettre en avant à travers le monde. N'oublions pas que la SAP a commencé à Brazzaville. Très bien. Souvent, on nous vole la vedette. Ouais. Mais Singula pensait que non, il fallait vraiment les mettre en vedette. Immortaliser ça. Les gens de l'histoire. Et rappeler les gens de l'histoire que le Congo, c'est le pays de la sable, comme tu as dit là, comme je vois là. Merci. En mode. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un message pour mon ami Pivot. Voilà. Ah, Pivot. Maxime Pivot. Qui sera là aussi. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. On regarde Aïmama, version originale signée. Le 13 juillet au Palais des Congrès, mesdames et messieurs, concert live signé Singula, l'enfant du pays, en tout cas, une production Doumoussian. Record du Doumoussian Event avec lui. Nous sommes donc ensemble en train de vous donner les repères de ce concert. Alors il faut dire qu'il y a 3 prix pour ceux qui voudront assister à cet événement. 5 000, 25 000, 100 000. Est-ce que c'est pas trop énorme pour assister à un concert avec les temps qui courent? Non, je pense que on a fait en sorte de mettre tout le monde à l'aise. Mm-hmm.
pour un artiste comme Singila, 5000 francs place standard, je pense que c'est vraiment donné. Pourquoi c'est donné? Il faut se dire que la personne qui organise doit se retrouver. Et les gens doivent encourager à venir. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas subventionnés en vérité pour amortir les frais. Mm-hmm. Bah, Singila habite en France. Il y a tout des VHR qui doit arriver, les billets business, le cachet, etc. Il faut vraiment amortir tout ça. Donc on ne peut pas se permettre, dans ce genre de concert, dire de laisser à 1000 francs, 2000 francs. Mais par contre, chaque député, ce qu'il peut faire de chaque circonscription, ils peuvent faire en sorte d'offrir les places à leur secteur. Hein. C'est aussi une bonne chose. Donc, le but, c'est qu'on puisse aider la jeunesse de Brazzaville. Le but, c'est que Brazzaville puisse être en mouvement. Vous savez, c'est aussi l'année où notre chef de l'État a eu cette vision de décréter cette année l'année de la jeunesse. Nous sommes dans ce sens-là. Nous accompagnons notre chef de l'État dans ce sens-là. Il faudrait que les gens puissent participer. Il faudrait que les gens puissent faire en sorte que d'accompagner les organisations réelles pour que cette jeunesse-là se retrouve. On ne doit pas tout le temps être stressé, on ne doit pas tout le temps penser toujours négatif, les temps qui courent. Non, il y a un moment, il faut évacuer. Et ce moment-là est là. C'est le moment que Singila arrive, où ces jeunes-là peuvent vraiment s'amuser, se retrouver, à travers tous les autres artistes, à travers Singila, passer vraiment un vrai moment. Est-ce que du côté du ministère, justement, de tutelle, il y a eu quand même un retour dans l'organisation? Non, mais il faut. Je vous dire franchement, je ne veux pas faire la langue de bois. Je vous dire franchement, les courriers ont été envoyés depuis 4 mois. Jusqu'à ce jour, je n'ai pas encore de retour. Il n'y a pas encore un retour réel au niveau du ministère. J'ose croire que la semaine peut-être fera que le ministère puisse vraiment venir vers nous, en tout cas nous convier, pour que nous puissions faire en sorte que cette fête, qu'on puisse honorer vraiment l'artiste et faire en sorte que la jeunesse puisse se retrouver. C'est la culture. Je pense qu'il faudrait que le ministère, à un moment, puisse accompagner. L'accompagnement, elle n'est pas forcément financier. C'est aussi l'accompagnement matériel. Et c'est très important. Dans d'autres cieux, ça se fait. Quand je vois du côté de la Côte d'Ivoire, je salue mon ami Hassan Fou, qui est régulièrement accompagné à travers son festival Femua. Je me dis pourquoi pas au Congo? Pourquoi la culture, elle est tant négligée comme ça? Mais nous sommes culturels, nous sommes passionnés de ça, mais nous allons faire notre part de gâteau pour que cette jeunesse, pour que notre pays puisse regagner sa place en termes d'événements. Donc, en un mot, côté de l'organisation, encore quelques chapitres qui ne sont pas encore accomplis. Non, l'organisation, vous savez, quand on est professionnel comme nous, et quand ça fait un an qu'on prépare, l'organisation peut être au point. Mais en vérité, au plus il y en a, en plus on peut élargir au niveau de la fête. J'ai par exemple Youssoufa qui veut venir, qui me dit, Monsieur Doumou, je suis prêt à venir participer à l'événement. Ben, vous devez nous prendre en charge les billets d'avion, etc. Youssoufa, ce n'est pas l'artiste vedette. Donc, on n'est pas obligé d'inviter Youssoufa en vérité. Mais ça sera bien, par exemple, que Youssoufa soit de la partie. C'est des bonus. Tout à l'heure, vous avez parlé de Charlotte Dipanda. On peut parler de Kofi Olomide, que j'ai eu au téléphone. Tout ce monde qui veut se rajouter pour accompagner Singila, c'est des bonus en plus. Mais ça demande toujours des moyens pour qu'ils puissent venir. Mais de notre côté, on a fait en sorte vraiment d'être au point, d'être carré, pour donner le meilleur. Et je pense que le 13, Brazzaville va recevoir le grand artiste. Et surtout, ça sera le plus bel événement qu'on aura jamais organisé au Congo. Je sens que ça commence à prendre la mayonnaise, commencer à monter. Parce qu'on voit un peu les affiches un peu partout. Un peu partout. Mais je vois aussi qu'il y a une forte présence des artistes de la diaspora à Brazzaville, qui ont calé les dates, c'est comme Niska aussi. Très bien. Qui sera là. Au fait, il faut vraiment encourager, il faut faire en sorte qu'on puisse honorer ces artistes-là. Pour parler de Niska, c'est les artistes qui font vraiment la fierté de chez nous.
Et on doit les redonner ça. On doit leur montrer que le Congo les aime. Ça va leur encourager à faire plus de choses ici. Vous savez, la Domotion est vraiment le trait d'union entre le Congo et la France. Pourquoi ? Parce que j'ai vécu là-bas, la Domotion a commencé là-bas, et très souvent, les artistes de la diaspora se sentent négligés, se sentent pas conviés dans des gros moments tels que le FESPAM ou autres. Et souvent, on a l'impression qu'on invite que d'autres artistes, d'autres cieux. C'est à nous de faire en sorte d'honorer ces artistes-là. C'est à nous de faire en sorte de dire que voilà ce qui fait notre fierté. Je pense à Freddy Massamba, que j'aime beaucoup, mais qui aujourd'hui, deux fois, il me dit, ma foi, je ne comprends pas comment dans ces grands rendez-vous, nous ne sommes pas là. Pourquoi on ne nous invite pas? Et ça, c'est un problème. Alors qu'il tourne... Il tourne partout, à travers le monde. Il brandit notre drapeau partout. Il chante en langue, en kikongo, en lari, en lingala. Et les gens applaudissent. Mais c'est la fierté du Congo en vérité, tous ces artistes-là. Je pense que nous avons retrouvé l'élément de Dadju. Avec La surprise. Oui. Je pense que c'est tellement... on va le proposer à nos téléspectateurs. Voilà, donc on va regarder, mesdames et messieurs, c'était... C'était lors de concert, de, je ne sais pas si c'est lequel que tu as mis, je ne sais plus. Mais en tout cas, on va quand même regarder. Dadju, Taek, ils ont voulu montrer au monde entier que voilà, Singila, il fait partie de ceux-là qu'ils ont suivi, au fait. Leur mentor, leur idole, au fait. Voilà. On regarde, mesdames et messieurs, c'est un bonus dans cette émission. Merci. En tout cas, alors, où est-ce qu'on peut trouver les tickets de cet événement? Alors, les tickets, déjà, je voudrais quand même ici remercier mes partenaires qui, grâce à eux, on a pu réaliser cet événement. Je voudrais remercier la Bralico, parce qu'il faut le dire que Singila et les jurys Beaufort. La Bralico, parce qu'ils sont investis, ils ont cru en mon projet et ils croient toujours à leur artiste. Je voudrais aussi remercier RTL Congo, à travers la croyance qu'il a eue vis-à-vis du label Domotion pour accompagner cet événement. Je profite aussi pour remercier Air France, qui est le transporteur officiel des 20 ans de carrière de Singila, Air France. Et voilà cela que je peux dire un grand merci. Et voilà, si, c'est grâce à eux quand même qu'aujourd'hui, on a pu avoir quand même... la tête pour organiser, pour réaliser ça. Merci beaucoup. Et voilà, je remercie aussi Claudie qui a pu faire un super travail à travers son émission Couleur Tropicale et aussi à travers les chaînes RFI qui sont en partenariat avec nous, qui ne cessent en vérité de diffuser le spot et de parler de cet événement. Et aussi A+, qui pour moi c'est très important. Et comme je dis, je leur dis merci. Mais la balle en tout cas est de notre camp. C'est à nous, les Congolais, d'être patriotes. C'est à nous de savoir honorer nos artistes sans prétention. Il faudrait que les gens viennent vivre ce grand spectacle, ce grand moment à travers Singila. Merci. Il y a Tchétché Tchénal. Merci beaucoup. Merci également à Ludovic Ikani. Merci aux établissements Kim, mon ami Witch. Ravi. Merci beaucoup, président Thuram. Je n'oublie pas le DG Nathan depuis Nid d'Oiseau. Hein, Arti Touko, mon ami depuis Paris, qui me regarde. Merci également au docteur Mangassa à Pointe-Noire. Merci, Olivier Dougon, d'être passé dans cette émission. C'est moi. Nous faire revivre les moments exceptionnels du Singila. Je voudrais juste donner le numéro de téléphone pour les informations, pour les gens qui veulent se renseigner sur l'événement. Le 05 631 88 88. Vous pouvez appeler, vous allez avoir les informations sur l'événement de Singila. Et pour vos places, pour vos tickets, pour les gens qui veulent aller acheter des tickets, vous avez les Park and Shop, vous avez Mavula, vous avez les shops RTL, ok. Et on a aussi mis des jeunes qui, à travers la ville, qui se baladent en train de vendre les tickets. Donc voilà, c'est à vous maintenant de faire en sorte de honorer l'artiste Singila. Et je dis grand merci à mon artiste 100% Seto, qui vraiment m'encourage, qui tous les jours est avec moi pour m'accompagner dans cette démarche qui est de la promotion. Et d'ailleurs, je lui dis félicitations parce que avec tout son orchestre, ils s'envolent vers le Gabon où ils vont donner un grand concert. Voilà. Ça, c'est merci. Important. Voilà. Merci, Olivier Doumou, d'être passé dans cette émission.
Henri Mavambou, Rudel Goma, Vilpion Kenzo, Ivran Mungondo. Merci à Hugues Vogel de Cibel qui vous a présenté aussi l'émission en bonne et due forme. Merci. Olivier Doumou, ce n'est qu'une partie remise. Partie remise. On attend Singela, il arrive quand? Il arrive le 10, il est là déjà. Okay. Dès 18h, moi je convie les fans de venir en masse à l'aéroport pour recevoir l'artiste. Okay. Et le 13, il sera donc sur scène. On va transformer le palais de congrès en arena défense. Merci. Voilà. En tout cas, c'est dit. Alors, voilà. On va rester scotché au maximum. Voilà. Sur la mer de fréquence, sinon la mer de chaîne d'IRTV International. Denis de production.